Alors, le virage du fer à cheval me porte chance, je sais pas, mais en tout cas, il m'a jamais porté malchance, donc c'est un virage que j'aime bien. Ouais. Oui, c'est un virage qui m'a porté chance dans les années précédentes. Une troisième place décrochée après une attaque au fer à cheval. Oui, le virage du fer à cheval me porte chance parce que je suis jamais tombé ici, j'ai déjà doublé et je me sens allé sur ce. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé ici, mais logiquement, le fer à cheval porte chance. Alors oui, ce virage me porte chance car j'aime beaucoup les virages à gauche et ça fait un long gauche. Du coup, j'aime bien car on reste longtemps sur l'appui à gauche. Je sais pas trop, mais j'espère qu'il va me porter chance durant le week-end. Bonne question. Je dirais non. Non, je suis déjà tombé plusieurs fois en course. En réalité, non, c'est pas un virage vraiment qui me porte chance, non. Je pense que oui, c'est un virage que j'apprécie. Après, on verra à la course, mais généralement, c'est un virage où je tente pas mal de dépassements et je les réussis. Donc, on va dire oui. Honnêtement, j'ai pas de problème avec le virage du fer à cheval. Me porte chance, c'est un bien grand mot, mais on va dire que c'est le dernier virage pour pouvoir porter une attaque en fin de course. Oui, je le prends au galop.